Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc ici c'est Yoko pour la quatrième partie sur Pokémon en cheveux. Continuer. Ouais, vas-y, on peut pas zapper ça. Ah si, B. Pour ce qui est de renommer les Pokémon, on va devoir attendre d'être à Lavandia. Bon, j'ai pas cherché longtemps, hein, je vais avouer, mais j'ai pas trouvé de code me permettant de changer de nom. Alors peut-être qu'il y en a un, si c'est le cas, envoyez-le moi en privé, on va pas commencer à faire un sujet sous les commentaires spécial cheat code. Hein. Et je veux vraiment que celui sur le nom, hein, pas besoin d'objet max ou de niveau max ou que sais-je encore. Juste si vous en avez un pour le nom, à la limite n'hésitez pas. Évidemment, si vous voyez cette vidéo au moment où je suis à l'avant-ville, ben, ça n'a plus d'intérêt car d'après ce que j'ai lu, donc on peut les renommer à l'avant-ville. Donc, Ferrosinge et Reptincelle, eux seront renommés à l'avant-ville. Hein. J'ai pas encore décidé qui ferait quoi. Quant aux autres, je sais pas qui je vais prendre encore. Peut-être Pierre Fabiac, peut-être pas. J'avoue que j'en sais vraiment rien. Là. D'habitude, je suis hyper inspiré pour savoir quel Pokémon je vais prendre, tandis que là, je sais vraiment pas. Est-ce que je connais Léo? Oui, mais je pense pas que ce soit le même. On raconte que c'est un vrai Pokémaniaque. Ah ouais non, c'est plutôt un pédobire, mais c'est pas pareil. Les gens sont juste jaloux de Léo. Nous sommes tous un peu pokémaniaques, non? Non, pas vraiment. Sacré Léo. Ah, il est connu, hein, Léo. Il donnerait n'importe quoi pour mettre la main sur un Pokémon rare. Ah d'accord, c'est comme ça que vous appelez les... Ah, ok. Tu devrais aller à l'étage pour faire des échanges avec tes amis. Nanana, les Pokémon... c'est bien gentil, mais je pense pas qu'on puisse faire d'échanges via émulateur. Ou alors s'il faut utiliser des réseaux, internet peut-être. Alors, il a une sacrée collection de Pokémon et des rares en plus. Bah, il est donc. Quel coquinou. Donc on va pas aller tout de suite à l'arène. Hein. Si ce Flagados n'était pas là, tu pourrais couper ses arbustes. Comme ça, tu pourrais passer de l'autre côté. Mais il doit bien y avoir un autre moyen de passer. Ah, je vois bien, moi, une zone bloquée juste parce qu'il y a un teubé qui se met dehors, quoi. Puis paye comment tu fais pour être desservi par les camions, quoi. Ils passent par où, les mecs? C'est un dresseur aussi, capturer, collectionner, combattre, dur. Hein. Ouais, ça va, j'ai connu pire. C'est juste que je m'inquiète un peu, mon perso ne s'est pas encore nourri depuis le début. Allez, Flagados, attaque, attaque. Ouais, t'as l'air intelligent, mais j'adore son cri. Ah, on l'entend pas? Merde. Ouais, non, on n'entend pas son cri, dommage, je l'aime bien son cri. ça fait bien ressortir le côté teubé en fait. Le repousse tient les Pokémon sauvages à l'écart, mets tes Pokémon les plus costauds en premier pour une plus grande efficacité. Si ton premier Pokémon est fort, l'effet est boosté. Ouais, en fait, le repousse, c'est via le niveau de votre Pokémon. Donc si vous mettez un Pokémon niveau 1, vous allez vous choper tous les Pokémon supérieurs à ce niveau, il me semble. Alors, tu connais les super bonbons, on les trouve pas à la vente. Quand un Pokémon en mange, il gagne un niveau. Oui, je connais, mais merci de le rappeler. Écoute, je ne sais pas si tu peux m'aider. Pokéball, combien on en a? On a déjà 5000 balles quand même, hein. On en a acheté 10. Des potions, combien on en a? 3. Allez, on en achète 4. Ouais, je dilapide un peu mes thunes, mais... disons que... Non, tu ne peux rien faire d'autre, merci. Disons que je préfère... assurer mes arrières. Quitter, toi. Ah, tellement de temps et rien à faire. Il n'y aurait pas un truc amusant à faire dans le coin? Je sais pas. Capturer des Pokémon. Racketter des enfants qui glandent le long des chemins à la recherche de combats Pokémon. Je veux une jolie bicyclette, je la veux toute rouge. Alors, un vélo de ville, c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas de porte-bagages sur un VTT. C'est pas faux. Mais vu qu'il y a un sac à dos, je crois qu'il s'en fout. Ces vélos sont super, mais ils sont très chers.
Alors, bienvenue Cyclagogo, nous avons justement une belle bicyclette. The fuck? 1 million, ouais. Eh ouais, 1 million, bah écoute, tu m'excuseras, mais j'ai pas ça sur moi, et la banque va pas me faire un crédit d'1 million pour un vélo. Tu te fais une encyclopédie sur les Pokémon? Pas mal, merci. Oui, je sais que c'est un peu long, là, je discute avec tout le monde, on sait jamais, j'ai toujours peur que... Ouais, donc tu m'as déjà parlé, enfin je t'ai déjà parlé plutôt. Là-dedans, je crois qu'on est déjà rentré. Ah non. Il semble qu'il y a un échange à faire, voilà. Tétard contre Lipoutou, je voudrais bien, mais je n'ai pas de tétard. Ah oui, si tu veux me collectionner, ok. Donc dès qu'on aura un tétard, on sait qu'on peut venir échanger contre un Lipoutou ici. Ah, le problème des échanges, je prendrais bien Lipoutou pour faire ma petite vanne avec Shiva. Le problème, c'est que les Pokémon échangés, on ne peut pas les renommer. Sauf s'il y a un code, évidemment, sinon on ne peut pas. Et je vais éviter ouais, de manipuler les choses qui ne sont pas censées être bougées. Bon, écoutez, on va chercher vite fait après des Pokémon. Hein. Avoir Rattata, on l'a déjà. Non, on va peut-être éviter. Alors, je pense pas qu'il y ait des Pokémon spéciaux. Il y aura peut-être un plante. Ce qui serait plutôt une bonne chose. Bon, hop, on va accélérer vite fait. Sinon, demande encore là. Ah, un abo, ça, on n'en a pas par contre. Alors, est-ce que la griffe va le tuer? Non. Ok. Sac. Pokéball, alors j'hésite. Est-ce que je prends un abo? Parce que c'est vrai que finalement, j'ai pas envie non plus de refaire la même équipe que dans Pokémon Crystal, hein, ce serait un peu dommage. J'hésite un peu. Est-ce que je prends un abo? Parce qu'abo est pas très intéressant à mes yeux. C'est pas un que j'accroche en fait. J'accroche au skin de. Enfin à l'apparence donc de son évolution, mais pas au Pokémon directement. On croise très souvent dans le Zerb, il agite rapidement sa langue pour percevoir le danger. Ah bon, c'est pour percevoir le danger. Pourquoi pas? Non, je vais pas le prendre, j'en ai pas envie. Là il me faut au moins un plante. Tu as fait avec jeter déjà, donc tu dégages. Hop! Encore un Pierre Fabec, donc vous voyez. Hein. Donc là, c'est pas votre son qui déconne, c'est moi qui maintiens le bouton d'accélération de l'émulateur. L'avantage de l'émulation, je dirais. En plus de la save state, mais la save state, c'est un plus et un moins. Un féroce singe aussi, tiens. Bon, encore un ou deux. Et on arrête là, puisqu'on va pas non plus capturer pendant 2 heures. Non, bon bah. Ah, il va pas me laisser sortir. Osef. Voilà. Donc, ben, par là, il n'y a plus rien. Donc, en fait, je crois que c'est plutôt là-haut. Enfin, je dis là-haut comme si vous saviez où je voulais aller. Il y a encore des hautes herbes. Il y a au moins un Pokémon sûr que je dois capturer. Car lui, je le veux dans mon équipe. Par contre. Il y en a peut-être un deuxième, mais je sais pas encore. Donc on va déposer. Normalement, ouais, poison. Donc j'hésite grandement entre Abra et Soporifique. En fait, j'hésite juste sur Abra parce qu'il y a une évolution, mais on doit les changer. Moi, je peux pas le faire. Ça va me poser un problème. Les badges sont portés, blablabla. Alors, je regarde pas ça parce que ça m'intéresse pas. Alors ici, il y a un bonbon caché de tout niveau des plantes. Ah bah voilà. Hop. Alors ici, on va faire gaffe parce que je pourrais me faire Ouned. J'ai pas réfléchi. D'ailleurs, je vais mettre Reptincelle en premier. Tout simplement. Parce que ici, il y a le petit Régis qui nous attend. Ces pauvres gens ont été volés. L'odieux Team Rocket est derrière tout ça, c'est sûr. Même les forces de police ont du mal à lutter. Qu'il dit, tu la délinquance. En plus, il faut dire que les coupables, ils sont loin. Hein. Ils sont au moins, pouf, 10 mètres derrière, quoi. Pauvre police. Alors, yo Yoko. Alors, tu t'en sors. Moi, c'est le pied. J'ai attrapé plein de Pokémon super puissants. Fais-moi voir ce que t'as attrapé, Yoko. Bah, dis donc. Moi, j'aime bien, c'est qu'on a toujours notre mot à dire quand on doit se battre. Et bon, viens, je te latte, puis au revoir. Roucoups! Alors, Roucoups, je l'aime un peu moins parce qu'il est. Là, il est mieux fait, mais dans voilà, la version rouge de base, je vais dire, il est gros.
Vraiment gros quoi, on dirait une grosse hirondelle quoi. Ah, génial, jet de sable, il y avait longtemps. Alors, on va voir si on va survivre hein, parce que le Régis c'est quand même. Enfin, fort. Oh le sable. Ouais, bah ça va être utile ça, tiens. Oh, cool. Bon, Pokémon. Ferro-singe. Il va se prendre un point karaté dans la tronche, lui. J'ai déjà pas beaucoup de défense et tu me fais mimiqueux, quoi. Foire. Allez, vas-y. Blames. Voilà, bien. Je me souvenais pas qu'au début, les dresseurs retiraient leurs Pokémon. J'avoue que. Je savais qu'ils le faisaient, mais je pensais qu'au début, comme c'était bah, le début justement, ils étaient plutôt amples. Et entre guillemets, qu'ils laissaient un peu leur Pokémon crever comme ça, quoi. Alors, Flamèche. Je sais pas si quand le Pokémon est refoutu dans le sac, si. Cool. Si les effets de jet de sap sont enlevés ou pas. Alors brouillard. Brouillard c'est comme jet de sable mais en pire. Pour faire court. Donc je vais enlever rugissement en attendant. Donc brouillard ça enlève. Ça empêche enfin, ça empêche d'attaquer. Ça fait baisser la précision mais énorme, énormément. J'ai mal de chien à parler français ce matin, c'est impressionnant. Alors, donc là logiquement c'est bon le combat, je pense que le combat est gagné sauf si j'ai la poisse. Parce que là il me semble que ça va être un Abra le prochain. Et Abra quand on le capture il est tout pourri. Enfin tout pourri dans le sens où il n'y a que téléport. Ah, level 16, normalement il aurait déjà pu le faire évoluer. Voilà, il a que ça. Et téléport en fait ça sert à rien en combat. Hein. Ça fait fuir les combats. Les combats contre les Pokémon sauvages, mais face à un dresseur officiel, ça fait que dalle, il me semble. Et hors combat, ça téléporte au dernier centre Pokémon. C'est un peu comme une carte sortie. Ah, presque. Oula, Kalmos, t'as gagné, ok. Ouais, tu peux pas test, mon gars. Hey, tu sais quoi? Je suis allé chez Léo, il m'a montré ses Pokémon rares. Ça m'a rajouté plein de pages à mon Pokédex. Tout le monde sait que Léo est un Pokémaniaque. Il a même inventé le stockage des Pokémon sur PC. T'as qu'à aller le voir. Bon, je trace. Ciao! Ah, ouais, c'est ça. J'ai les boules pour toi, je te jure, t'es toujours derrière moi. Bon, je vais te donner un cadeau, mais c'est une faveur. Ça, c'était pas sur la version de base. Parfait pour une pipelette comme toi, j'en ai pas besoin parce que j'en ai rien à faire des autres. Allez, je suis plus là, tchou. Ça y est? Oui. D'abord, on va remettre notre Reptincelle en tête. Notre Ferro-Singe en tête. Et Memory Dex, je vais voir ce que c'est. Appareil stockant les informations que vous avez entendues sur des gens importants. Oh, c'est cool ça. Je sais pas à quoi ça sert, mais. D'accord, en fait, c'est les liens de parenté, quoi. Mais t'aurais pu mettre aussi le rival, quoi. Ouais, je sais pas trop l'utilité pour l'instant, mais pourquoi pas. Alors ici, c'est le pont des 5, si je dis pas de bêtises. Voilà le pont, le pont Pépite, pardon. 5 dresseurs le défendent. Balais tous pour remporter un prix fabuleux. Tu crois pouvoir y arriver? Bah écoute, on va voir. Alors il me semble que j'ai pas été très malin de laisser mon Ferro-Singe en tête, en fait. Car ils ont beaucoup de Piafabec, je pense. Merde. Bon, Ferro-Singe, t'as déjà pas beaucoup de défense, si en plus tu rates tes attaques, on va pas s'en sortir. Voilà. Hop. Ah, quand même, un point de défense en plus. Alors, Aspico, oui, on va changer, je vais gagner du temps, on va les cramer. Alors, attaque, ta, 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 Flamèche.
Bon, bah, face à Crise d'Acier, ça risque pas d'être très compliqué non plus. Bon, c'est pas ça, ça fait de l'expérience facile, hein. Hop, concours. Bah, pareil, quoi. Alors oui, par contre, pour la capture du Abra, là, je vais utiliser une save state. C'est, vous allez comprendre pourquoi, mais... c'est juste pour éviter de flinguer toutes mes Pokéballs et perdre 2 heures. Parce que c'est vraiment chiant. Soit vous avez de la chance et ça va aller tout seul, soit vous êtes comme moi. Et ça va être chiant. Alors, Fiat Meg, Roucoule, j'ai laissé faire au singe, je le fais exprès. Bon, bah on va tenter le combo griffe, mais... Oh putain, genre quoi. Ouais, ça va faire mal ça. Ouais, ça va encore. Hop. Mystherbe. Ben oui, on va changer, hein. On va brûler l'herbe. À coup de flamèche. D'ailleurs, normalement, cette semaine, un nouveau let's play va arriver, donc comme je l'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents, ou dans d'autres let's play, je ne sais plus trop, chez Tiflor, on va garder Reptincelle. Je vais enchaîner pas mal de petits let's play, donc de petits jeux, entre guillemets, c'est surtout des jeux Super NES qui sont relativement courts, donc, tout dépendra de, avec des gros guillemets, mon skill. Car bah, le jeu, si on le rush, certains jeux, si on les rush, sont très courts, mais si on galère un peu comme j'ai pu le faire avec Mario, ça prend déjà un petit peu plus de temps. Enfin, c'est pas plus mal, on dirait. Je suis numéro 3, c'est pas gagné. Bah écoute, ma poule, si tu veux. Alors, gamme intime, Sabelette. Évidemment, cette fois-là, j'ai laissé le type feu. J'ai pas de chance. Bah, on va tenter Griffacier. Donc pour le moment, bah, je vous dis pas encore quel jeu je vais faire. Putain, ils font chier que j'ai de sable. Je sais pas encore moi-même. J'hésite entre deux, en fait. J'hésite entre deux jeux et... Je sais pas trop, quoi. Disons qu'il y a un jeu, il est bien, mais... Enfin, je l'aime bien, mais il est dur. Mais vraiment dur, quoi. Enfin, de mémoire, en tout cas, sans les codes, sans les cheat codes, j'avais du mal étant plus petit. Maintenant, est-ce que c'est comme Judge Dredd et que c'est une fausse impression? Je sais pas. Non, on va garder Reptincelle. Et l'autre, en fait, il est bien, mais il est plus fun en duo, en fait. C'est un jeu où on peut jouer à deux en même temps. Et il est... Enfin, à mes yeux, il est quand même plus sympa à jouer à deux, quoi. Il est plus simple. Même s'il est pas dur en solo, hein, pas du tout. Oh, Reptincelle, merde. Ça va pas remplacer Ferrosinge, quoi. Bon, bah voilà, ça devait arriver. Encore que j'ai des antidotes, quoique ce serait un peu con de les utiliser, je vais aller me soigner tout de suite. Ouah, tu m'as écrasé. Eh ouais. Hop. On va se dépêcher avant que le petit Reptincelle nous reste dans les mains. Enfin bref, je verrai un peu quoi. Ce sera un peu selon la motivation et l'envie du moment. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je garde Pierre Fabek sur moi. Quoi qu'il vaut mieux que j'en garde un, même si je m'en sers pas, au cas où je crèverai bêtement pour pouvoir utiliser Rappel. Sait-on jamais. Alors, les trois premiers sont latés. Hop. Je suis numéro 4, t'en as pas eu assez? Non. Puis en même temps, vu le level, hein. Nidoran, mal. Alors lui, je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve vraiment stylé, quoi. Dommage que j'en ai pas rencontré. Oh bah. En plus, il est sympa, il a des attaques type vol, attaques type poison, attaques type terre, enfin, attaques type combat aussi, il me semble. Je le trouve assez varié pour un Pokémon. Après, au niveau des stats, j'en sais foutrement rien, c'est jamais un truc qui m'a intéressé. Plus jeune, je m'intéressais surtout à l'apparence du Pokémon. S'il était beau, je le prenais, s'il l'était pas, je le jartais.
Mais j'aimais beaucoup. La femelle, je l'aimais un peu moins, même si son évolution finale est vraiment très classe, mais ça je l'ai déjà dit, il me semble. Je suis déjà en train de radoter. Hop. Et le dernier. Ok, je suis numéro 5, je vais t'écraser. Ouais, t'as pas de mérite, t'es au bout du pont, donc techniquement t'es censé récupérer les gens affaiblis. Bon, t'as pas de bol. Féro singe contre Reptincelle. T'as pas de bol, je suis allé me soigner avant. On va voir si type acier fait quelque chose, mais je pense pas. Ouais. Et voilà, coup critique en plus. Diego. Il n'a même pas eu son nom. Félicitations, tu as battu les 5 dresseurs. Tu as gagné un fabuleux prix. Une pépite. Alors, une pépite, ça vaut 5000 balles. Le seul intérêt de la pépite est d'être vendue. Enfin, que je sache, j'ai jamais trouvé à quoi faire d'autre. Que faire d'autre avec? Veux-tu rejoindre les rangs de la Team Rocket? Nous sommes un groupe de criminels spécialisés en Pokémon. J'adore. Je suis un enfant de 12 ans, mais c'est pas grave. Ça t'intéresse? Vraiment? Allez, viens. Bon, je t'ai dit de venir avec nous. Je vois. Je vais devoir me montrer plus persuasif. Ouais, me fais pas rire, hein. Abo. Ouais, c'est vrai que les méchants ont des Pokémon qui ont l'air méchants. C'est Abo, Smogo. Bon, pour faire comme dans la série, il y aura certainement un mec avec un Meowth ou un Persian. On va te cramer, on va pas s'embêter. D'ailleurs, moi je joue surtout aux anciens Pokémon et j'ai pas touché à. Enfin, entre guillemets, à aucun Pokémon récent. Donc j'ai Pokémon Perle, Diamant, je sais plus à la maison. On va garder Reptincelle. Mais je l'ai jamais terminé en fait. J'ai énormément de mal à accrocher les Pokémon que j'y rencontre. J'ai vraiment un mal de chien avec leur apparence. Je peux pas commencer le débat sur c'était mieux avant, mais. Pour moi, si. Hein. Je veux pas faire le drôle, mais pour moi, c'était mieux avant. Mais bon, évidemment, moi, c'est la nostalgie qui parle. Hein. Parce que quand on regarde les graphismes de Pokémon Rouge, basique, c'est dégueulasse, quoi. Mais j'ai du mal, quoi. Tu pourrais vite devenir un chef au sein de la Team Rocket. Allez, je te laisse y penser. Ne laisse pas passer cette chance. Alors, donc ici, il y a un petit mec qui va nous attendre. Voilà. Alors, sur la version de base. On pouvait faire des bugs avec ce mec, donc à la seconde où il nous rencontrait, il fallait appuyer sur Start pour aller dans le menu et utiliser Vol ou une carte sortie, enfin un truc comme ça quoi. Ça permettait au final d'avoir un bug exploit pour rencontrer Mew de manière sauvage, ce qui était techniquement impossible normalement. Il y avait pas mal de bugs comme ça hein, pour rencontrer Mew finalement, qui ont été découverts assez tard. Campeur Jamel. Ratata. Jamel, je savais même pas que c'est créé avec un dé. Oh merde, presque. Alors, Creux Noir, je déteste cette attaque. Tout simplement parce que pas mal de fois, on va rencontrer des rat-attaques. Ces enfoirés vont nous la faire et des fois, ça fait perdre énormément de vie. Bon, on va mettre un petit peu quand même le fer au singe. Des fois, regardez, là, ça me fait perdre que dalle. La fois d'après, ça va me faire perdre blindé de vie. C'est Crofatal peut-être qui fait ça. Mais enfin, j'aime pas trop leurs attaques. On a perdu un peu d'attaque. Ouais, quand même. Oh, carrément les 5 quoi. Motivé, féro singe, motivé. Hop, et griffe. Nickel. Oh, je pense avoir une chance, ou pas. Alors. Ouais. On va mettre le féro singe. Et donc là, on va chercher après Abra. Et je pense qu'il y a des mystères ici. Voilà. Comme ça, c'est fait. Alors, petite griffe. Ouh.
plus ce que ça fait, ça. Ah, ça baisse l'esquive, c'est pas grave. Alors, Pokéball. Normalement, les Pokémon plantes sont assez faciles à entraîner. Pas très dur à capturer. Alors, les données de mystère sont ajoutées au Pokédex. Merde! Oui, on a donné un surnom, parce que lui, je vais le garder. Mais quel surnom donner? Alors, qui veut être Mysterbe? J'ai encore demandé l'avis à personne, donc là, techniquement, si la personne change d'avis, je suis bien dans la merde. Alors... C'est horrible, hein, moi, dès qu'il faut que je me décide avant de tourner l'épisode, sinon il me faut 20 pompes pour me décider. Est-ce que je reprends Kanevan parce que bah, il avait l'air d'être fan du fou Ilian? Maintenant, Mystère me fait plus penser à un Pokémon féminin, moi. Je sais pas pourquoi, c'est surtout l'évolution finale, une grosse fleur. Une grande fleur. Ça me fait plus penser à une femme. Pourtant, c'est un mâle, mais je vais pas regarder au sexe non plus, hein, sinon je suis pas rendu. Écoutez. J'ai pas demandé son avis, mais ce sera Tambourine, le premier nom que j'ai donné. Voilà. Non, pas Tambourine. D'ailleurs, on va faire comme son truc. Tambourine. Ouah, trop cool, j'ai mis des majuscules et tout. Attendez, je suis perdu. Ok. Bienvenue dans l'équipe Tambourine. Voilà, premier Pokémon. Alors... Pour Ferrosage, je sais pas encore qui donner. Pour Reptincel, je vais lui demander son avis, mais je pense plus à Ouroboros. Tout simplement parce qu'Ouroboros, ça me fait penser à Bahamut. Bahamut, c'est un dragon. Et Dracaufeu aussi. Ouais, j'ai une logique imparable. Ok, donc là, on est parti pendant un petit moment de recherche. Un Roucoule, Osef. Un Chenipan, Osef. Un Crisacier, Osef. Un Abra. Alors, Abra, vous allez voir, je vais faire un essai en live pour vous montrer. Alors, Abra, comme il n'a que téléport, téléport ça fait fuir les combats contre les Pokémon sauvages. Donc, techniquement, s'il le fait, il se barre. Ce qui fait chier. Donc, ça veut dire, soit on l'endort tout de suite et on a une chance, soit comme moi, on n'a pas de Pokémon pour endormir pour l'instant, à part Mystère, mais je pense pas qu'il ait un poudre dodo. Donc, on va utiliser une Pokéball tout de suite. Comme il a toute sa vie qui level 10, souvent ça marche pas. Ah, salaud! Voilà, donc au revoir. Donc vous comprenez pourquoi je vais utiliser une safe state. Hein. C'est juste... Voilà, bon, Aspico Osef. Que j'ai pas envie de massacrer mon stock de Pokéball. Abra. Donc... Hop. Alors, est-ce que ça va marcher? Donc là, je tapote le bouton comme un taré. Ça sert jamais à rien. Oh! Bah, j'ai même pas eu besoin. Parfait. Ah bah c'est cool. Alors, qui sera Abra? Les données de Abra sont ajoutées au Pokédex. Salut Abra. Il dort 18 heures par jour, il peut utiliser de nombreux pouvoirs psy, même pendant son sommeil. Alors Abra, je vais... On va cliquer sur lui tout de suite. Abra, je vais le garder pour l'instant, mais je risque fort de le remplacer par un... Par Soporifique. Donc désolé pour la petite pause, j'ai eu un coup de fil, enfin bref, 36-15 ma life, on s'en fout. Donc j'en étais au surnom de Abra, putain quand je suis coupé comme ça en plein élan, ça me pose problème. Je sais pas qui renommer, donc oui je disais que Abra serait là le temps de trouver un soporifique, je sais pas, j'ai envie de soporifique, ça fait trop pervers dit comme ça, j'ai envie de soporifique. J'ai envie d'avoir le Pokémon soporifique dans mon équipe. Je ne sais pas. Est-ce que je prends Abra en attendant? Non, ça m'embête, j'ai pas envie. Je veux Soporifique. Voilà, mais on l'a quand même capturé. Voilà. Donc là, bon, j'ai quand même eu quelques minutes de téléphone, donc je vais continuer encore un petit peu. La dernière fois, j'ai fait 50 minutes, je sais pas si ça vous a été ou pas. Pokémon, je vais quand même le faire un peu plus long les vidéos qu'une demi-heure, dans le sens où c'est déjà long à la base comme, comme Let's Play. Hein. Et quel endouille. C'est déjà assez long en soi, donc on va résumer.
Chlorophylle augmente vitesse au soleil, ouais. Doux parfum, poudre toxique et Volvi. Donc oui. Vous allez voir, Tambourine au début ne va pas avoir beaucoup d'attaques. Les Pokémon plantes sont assez longs au démarrage, je trouve, mais ils deviennent assez vite puissants, quoi. Enfin, ça reste mon avis personnel. Mais je trouve que les Pokémon plantes, en plus d'être assez faciles à entraîner, je trouve qu'il leur faut pas beaucoup de points d'expérience comparé à d'autres. Ils deviennent assez vite forts, donc évidemment face au vol et feu, ils se font des psy, ils se font défoncer, ça y a pas photo. Mais sinon ils tiennent assez bien la cadence. Alors déposer, donc je vais déposer Piafabec, parce que Reptincelle sera mon type vol par la suite. Hein. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez comprendre pourquoi. Hop, Piafabec posé, et Abra, on va te déposer en psy. Hop, voilà. Par contre, pour ce qui est de l'évolution des Pokémon, on va peut-être aller là aussi. Pour ce qui est de l'évolution des Pokémon, donc, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, je parle de l'évolution des Pokémon que je ne garde pas dans mon équipe. Je sais pas du tout comment faire. Pour être franc, d'ailleurs, je vais mettre Mister Ball en tête. Juste pour qu'il évolue un petit peu, parce que sinon, même si c'est un type plante, il survivra jamais face à Ondine. Il y a quand même des Pokémon niveau 21, enfin Staro c'est 21 normalement. Alors, on va affronter tout de suite le Montagnard, hein, parce que lui il aura des racailloux. J'arrive du mont Sélénité et je suis prêt. Donc Sélénite, je ne sais pas. Comment il s'appelle? François! Machoke, ben, j'ai pas de bol, Machoke c'est un type combat, fait chier. Bon, combat face à plante, le combat ne fait pas beaucoup de dégâts. Mais Machoke est quand même fort, surtout point karaté, vous allez voir, ça fait vite mal. Ça va. Mais je pense que plante face à combat, ça fait pas grand-chose non plus. Ah si, enfin, bon. Notre Pokémon n'est pas encore très fort, hein, avec niveau 14, donc fatalement il fera pas non plus des dégâts colossaux, mais. Y a moyen de s'en sortir. J'ai juste peur de la prochaine attaque parce qu'il m'a baissé ma défense. Ça va encore. Donc vous voyez, empoisonner un Pokémon quand vous n'avez pas un niveau très élevé, c'est toujours une bonne idée. Parce que ça vous aide quand même vraiment pas mal, quoi. Je trouve que ça fait pas mal de dégâts. Je sais même pas si le poison ne baisse pas un peu la défense. Ah, on va mourir. Ouais, KO. Nickel, racaillou, donc là ça va aller tout seul et on va récupérer toute notre vie en plus. Hop. Comme à l'entraînement. Alors, nickel, un niveau. Vous voyez, défense plus 0, c'est aussi une défense faible, malheureusement, j'ai pas de bol pour ça. Hein. Mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup de vie. Pfiou, t'as dû travailler dur. Pas spécialement, je veux pas être méchant. Par contre, Mystère, je sais plus à quel niveau il évolue en. C'est quoi encore son seconde évolution? Ortide, si je dis pas de bêtises. Tu vas voir Léo? Ok, mais d'abord, baston! Alors, Jérémy, Onyx, ok. Ça devrait aller, même s'il est plus fort que nous, on devrait bien le fumeil. Étreinte, c'est comme. Comment ça s'appelle encore? Ligotage. Ça occasionne des dégâts à chaque tour. Mais j'aime pas du tout l'attaque en fait. Je trouve que les dégâts sont vraiment pourris. Peu importe le niveau, je les trouve vraiment merdiques. C'est que mon avis. Ça va faire mal ça va. Je les trouve vraiment pourris. Ça m'embête de gâcher une attaque en fait pour un ligotage ou une. Ou une étreinte. Je préfère de loin faire une attaque poison qui. Occasionnera beaucoup plus de dégâts. Ouais. Plus 2 en défense, c'est déjà pas mal. Parasport. Par contre, avec Tambourine, il va falloir que je garde une place pour Poudre Dodo, car ça va être pratique pour capturer certains Pokémon bien relous. Je vais faire un petit tour dans les Hauts-Herbes pour voir si on n'a rien, donc lui je le fais en accéléré. Hop. Et je crois que c'est dans la version bleue qu'il y a des. Enfin, ça doit être dans Verfeuille, quoi, qu'il y aurait des Miaous. Et c'est pas ici, c'est près de.
Safrania. Non, pas Safrania. Enfin bref, je sais plus le nom de la ville, mais je vois de quoi je parle, c'est déjà pas mal. Les dresseurs du coin viennent ici pour s'entraîner. Je raconte que de la merde depuis le début de l'épisode, ça c'est impressionnant. Alors, Gamma Joe, il m'envoie Ratata. Ratata, ça devrait aller, même si on a déjà perdu pas mal de vie. Ouais, Ratata fait quand même mal ce coin. Ouais, on fait pas grand chose. Ouais, il nous enlève 9 points de vie à chaque fois. Alors 9 points de vie c'est assez risible, mais quand on a que 45 points de vie, ça fait 9 attaques. Petit comique toi. Donc là, Spiafabek avec ses attaques type vol va me shooter si je reste là, donc je vais me barrer. Parce que Pic-Pic fait très mal. Et Spiafabek a pas mal d'attaques pour son level. Bon, j'ai pas le choix, c'est Reptincelle. Hein. Bon, on va le cramer, on va pas se prendre la tête. Par contre, je sais pas si dans celui-là on peut équiper des objets Pokémon, j'ai pas regardé. Ouais, on va remettre Misterbe. Il faut qu'il affronte ses peurs, le Misterbe. Ouais, et Tam, elle a pas peur, je parie, donc il y a pas de raison d'avoir peur. Aïe aïe aïe, t'aurais dû avoir peur peut-être. Voilà, Cronemort, je déteste cette attaque quoi. Donc là je vais changer de Pokémon parce que. Ah non, 9, malheureusement, même s'il me fait une attaque basique, je meurs quand même. Mister, bon, on va mettre le petit Ferro-Singe. Hein. Ferro-Singe, il va te venger. Hop, point karaté. C'est fait, voilà. Il t'a vengé, c'est ton vaillant chevalier. Et vu que c'est ton vaillant chevalier, ben Ferro-Singe, ce sera Shivok. Voilà, aucun rapport avec son pseudo cette fois. Aucun rapport avec rien du tout, c'est juste que j'ai envie de me taper le délire. On va quand même te soigner, non, parce que sinon tu sauras rien à faire. Déjà là, je pense pas que tu vas faire grand chose. Parce qu'il me semble que c'est un Ramolos qui nous attend. Je suis allé à une super fête, c'était sur l'océan à Carmin-sur-Mer. Alors, Ramolos, c'est un type flotte, mais flotte et psy. Et il a un choc mental. Choc mental, ça fait hyper mal. Enfin, hyper mal. C'est pas la psy la plus puissante, mais ça fait quand même vachement mal, surtout quand on est plante et poison. C'est une double faiblesse. Alors, je sais pas si ça s'accumule, mais c'est pas notre avantage. Alors, voilà. On va le savoir tout de suite. Hein. Il y a one shot ou pas. Malheureusement, on survivra jamais. C'est pas possible. Sauf si j'enchaîne les coups critiques, ce dont je doute. Ah, pistolet à eau, bah il est teubé. Il est teubé parce que ça fait que dalle. Ah, presque. Foiros. Rugissement, bah il est vraiment teubé parce qu'il m'aurait mis 2-3 attaques. 2-3 attaques psy, c'était fini pour moi. Hein. Hop, 360. Ah, presque. Yahoo, je suis pas fou. Alors, ben, à toi. Mon petit copain, c'est le plus beau de tous. Mm-hmm. Mais encore. Moi, ça me ferait flipper dans la rue si on m'accosterait comme ça, quoi. Imaginez, vous vous baladez dans la rue, vous croisez une fille, elle vient juste vous, elle vous connaît pas, elle va voir. Mon copain, c'est le plus beau. Mm-hmm. Là, je vais me barrer, je suis un peu con parce que il a Pic-Pic, et Pic-Pic, c'est un type vol. Je vais donc être obligé de foutre Reptincelle. Et Coup de Corne aussi, d'ailleurs. Coup de Corne, avant, c'était un type normal, mais je pense que maintenant, c'est un type vol. Puissance. Alors, puissance, ça augmente le taux de coup critique, normalement. Donc quand, souvent quand vous mettiez puissance, souvent c'est les matchups qui avaient ce combo puissance et point karaté, vous mangiez vos dents quoi. Ok, Reptincelle, voilà. Nidoran. Mm-hmm. Je pense pas qu'elle est pic-pic, la femelle, donc.
On va mettre fer au singe. Mais je pense que point karaté en plus, ça n'ira pas. Non. Combo griffe, hein, allons-y. Oh, putain, ça veut vraiment que dalle. Ah merde. Point poison. Ah, fait chier ça. Je peux continuer de le tabasser de toute façon. Je suis déjà empoisonné. Donc. Voilà qui est fait. Hop. Alors, je suis pas au top, et non. On va se soigner quand même. Le pauvre fer au singe. Hop. Je cherche le collectionneur de Pokémon. Ok, ben c'est un peu plus loin, mon gars, je sais pas pourquoi t'attends ici. Un combat est lancé par Montagnard Hero, un racaillou. Donc là, ça va être la séance d'entraînement de tambourine, même si je sais pas si j'aurai assez d'attaque. Ah, j'en ai que 6, fais chier. J'ai mal géré mes points d'attaque. Ouf, ça va. Hop, 238, pas mal. Toujours racaillou, ça c'est cool. Je crois qu'il y a un match-up en plus, le mec, mais je suis pas sûr. Encore Volvi. D'ailleurs, pour changer de sujet, car j'ai rien à dire, je suis assez étonné concernant la licence Pokémon de ne pas encore avoir vu de MMO Pokémon. Parce qu'il y en a un sur Digimon, c'est un peu particulier, mais il existe. J'ai joué. Ça reste un MMO à la coréenne, quoi, donc faut aimer bâcher, quoi. Donc, tuer du monstre, tuer du monstre, tuer du monstre. C'est sympa, quoi. Mais j'ai pas plus accroché que ça, quoi. Faut dire que la MMO, j'ai un peu de mal. Sur le long terme, j'ai beaucoup de mal. Si j'accroche pas l'univers, c'est mort. Temps d'apprendre poudre dodo. Donc ça, c'est l'attaque qu'on va garder, quoi qu'il arrive. Pour l'instant, on va remplacer... ouais, non, on va remplacer Doux Parfum. Hop, poudre dodo. Matchup va être envoyé, c'est bien ce que je disais, donc on met fer au singe. Bah c'est bien, c'est que vous voyez, Tambourine est déjà niveau 18. C'est une bonne chose. Bah, un autre combo griffe, on n'a pas le choix. Oh! Alors je sais pas si je vais dire une connerie. D'accord, point karaté sur un type combat, ça fait... si j'avais su. Donc oui, dans les anciennes versions, je sais pas si j'ai une grosse connerie, mais il me semble que si le premier coup du combo griffe, ou peu importe le combo machin, était critique, le reste s'enchaînait... les autres attaques, en fait, étaient du même niveau de puissance, si vous voulez. Donc ça faisait aussi un critique, je crois. Bah, tu m'as eu facilement, en plus. Bah ouais. Mais je sais pas si j'ai une grosse connerie. Donc là, je vais jarter Tambourine, parce que malheureusement, elle a pas beaucoup de vie. Elle a plus beaucoup de... de points de puissance. Enfin bref, voilà, donc pour revenir au MMO Pokémon, je suis assez étonné que ça n'existe pas. Bon, je me suis pas renseigné, donc ça se trouve c'est en préparation, mais j'avoue que c'est un trip qui m'est toujours venu de me dire que un jeu en 3D, même pas forcément un MMO, mais un jeu en 3D Pokémon, ce serait vraiment cool. Je suis cool et j'ai une copine aussi, écoute, moi aussi, mais on s'en fout, quoi. Ce serait vraiment cool, un peu... enfin, vraiment, le MMO, je le verrais bien, quoi. C'est plus pour les Pokémon sauvages où ce serait peut-être un peu plus complexe. Mais ça pourrait être marrant, quoi. Ça pourrait être marrant, quoi. Évidemment, avec des starters aléatoires, un peu comme à la Pokémon Gem, quoi. Donc, si on a de la chance, on démarre avec un... Salamèche, un... enfin bref, Pokémon que vous voulez. Bon, évidemment, avec des exceptions, genre, on peut pas démarrer avec Mewtwo. Mais... si on a la poisse, on démarre avec un Rattata tout pourri, quoi. Là, j'ai tous les fans de Rattata qui vont me tomber dessus. Non, il est pas tout pourri, mais disons qu'il est pas gâté, je trouve, niveau attaque, tout ça, il est pas... enfin, j'accroche pas, quoi. Je sais plus qui c'était. Ah, bon.
Enfin bref, et donc de là on pourrait attraper d'autres Pokémon quoi, ça pourrait être vraiment sympa. Mais bon, c'est une idée comme ça qui me passe par la tête, comme d'hab. Mais je trouverais ça vraiment sympa quoi. Évidemment, on faire que les Pokémon hyper rares du genre Sulfura, machin, soient justement hyper planqués ou ce genre de choses quoi. Ou juste là pour nous marave la gueule en fait. Genre pas capturable pour éviter qu'un mec se balade avec un Lugia dans le sac. Hop. Parce que j'avoue que si après il y a du PVP et qu'on fait, on arrive, on démarre, on arrive avec notre petit Dracaufeu et qu'on se barre, on se tape un Lugia ou un Mewtwo. Force cachée. Donc lui ici je vous conseille de faire comme moi, vous appâtez le mec juste ici, comme ça vous pouvez aller chercher la CT tout de suite, sinon vous êtes obligé d'attendre d'avoir coupe. Alors c'est pas très loin, mais c'est pas... C'est une barre de temps quoi. Hop. Il y a un dresseur de trop ici. Je pense savoir qui c'est. Ah bon, encore une fois. Avec l'intimidation, ils font chier. Encore un combo griffe. Qui fait d'ailleurs pas perdre grand chose. Touché deux fois en plus. On dirait un bruit de puce électrique. Prise électrique, pardon. Hop. Et de 1. Sabelette. La Sabelette, j'ai envoyé Tam. Comme ça. Je pense que ça devrait aller. Il doit me rester 2 ou 3 attaques. Ça devrait le faire. 3. Donc Tam, faut pas te chier, faut pas rater. Ah, nickel. On va faire un jet de sable, le connaissant. Voilà. Allez, Tam. Tout grand émirette, c'est nickel. Bien, pas assez, c'est pas grave. Eh ouais, tu te sens trop, t'as bien raison. Allez, casse-toi. Et le dernier, enfin la dernière. Mon copain des Pokémon Trognon, je suis jalouse. D'accord. Et pote à quoi? Misterbe. Ça va, Misterbe, il est pas dégueu. Hein. Donc, Misterbe, on va en faire de la salade. Hein. Hop, c'est parti. Oh, dommage que c'est. Ouais, donc là, c'est vraiment recalculé à chaque coup en fait. Enfin, c'est pas plus mal. C'est plutôt logique. Alors, Roucoule. Roucoule, on va le brûler parce que Fer au singe, il tiendra pas. Enfin, il tiendrait, mais il va perdre trop de vie pour rien. Et je pense que je vais bientôt devoir arrêter parce que là, je suis à 55 minutes. Enfin, vous, ce sera un peu moins vu que j'ai dû couper. Mais on doit en être à un bon 50 minutes là de votre côté donc hop. Salut hôte, je suis pas si jalouse mais je ne t'ai rien dit. Alors on va d'abord aller voir notre ami Léo qui n'est pas là mais yeah, je suis un Pokémon. En fait, non, appelle-moi Léo, je suis un vrai Pokémon, yak. Tu me crois pas? Mais c'est vrai, j'ai raté une expérience et me voilà changé en Pokémon. Tu me crois maintenant? Tu m'aides alors? Alors, est-ce que je suis un fasciste et que je le laisse dans sa merde? Là, t'as qu'à pas faire des expériences bizarres. Non, allez, on va t'aider. Je vais dans le téléporteur. Attends que je sois dedans et lance le programme sur mon PC. Yoko enclenche le téléporteur. Trop cool. Dire un échange standard. Salut Léo. Alors. Yahoo, merci mec, je t'en dois une. Bon, t'es venu pour voir ma collection de Pokémon? Non, tu rigoles. Bon bah prends ça en remerciement. Passe bateau, ça va nous être utile là, mais plus tard. L'océan est à Carmin-sur-Mer, les passagers sont des dresseurs. Je suis invité à leur fête, mais je ne supporte pas ces marioles. Vas-y à ma place. Déjà, j'aime bien, c'est que le mec, ça le fait pas flipper, on rentre chez lui. Tout est normal, je toque même pas au moins.
N'hésite pas à regarder mes Pokémon, blablabla. Donc voilà, donc je suis ressorti en fait tout simplement parce que quand on vient déclencher l'événement, donc où il se change en Pokémon et on le remet en normal, en humain, dès qu'on parle au PC, enfin qu'on fait une action avec le PC, il nous dit juste que c'est un programme en fait. Tandis que là, hop, il y a sa liste de Pokémon favoris. Donc Evoli, Pyroli, Voltaï et Aqualie. D'ailleurs, je pense que sur cette version, ils n'ont pas rajouté encore Mantali et Noctali. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Evoli, donc c'est un type normal qui a une faculté particulière comparée à d'autres Pokémon, c'est que selon la pierre que vous allez lui donner, il va évoluer. Donc, si vous lui donnez une pierre foot, c'est Voltaï, pierre Aqualie, une pierre feu, Pyroli. Sur les versions or, argent et cristal, ils avaient rajouté donc Noctali et Mantali qui évoluaient selon le taux de bonheur et le moment où il était le plus joyeux. Donc, si ça arrivait en pleine nuit, c'était un Noctali. Si c'était en plein jour, il me semble que c'est un Noctali, un Mantali. Mais pour Mantali, je ne suis plus sûr. Ce cap sert souvent de point de rencontre aux amoureux. On dit qu'on dit ignorer de grands espoirs. Salut, il n'y a personne avec toi. Si tu es un cap d'Azuria, autant que ce soit avec quelqu'un. Non, je suis un solitaire. Avec ma grosse casquette et mon petit sac à dos. Et on dirait que je fais des moulinets avec mes mains. Donc là, j'hésite. Donc là, si vous voulez, on n'est même pas obligé de faire le badge, c'est dingue. On va aller se soigner, c'est déjà une bonne chose. Hop. Alors, on va déjà mettre tambourine en premier. Je sais que c'est tambourine, mais j'ai trop l'habitude de dire tambourine. Ouais. On va aller tenter ça, on va voir si je me fais défoncer ou pas, hein, tant pis. Est-ce que j'ai beaucoup de fric pour pleurer? Ouais, 7000 balles quand même. Putain, on dirait vraiment qu'il a un mono-sourcil, quoi. Salut à toi, futur champion, un conseil. Le champion Ondine est une spécialiste des Pokémon eau, mais tu peux absorber l'eau avec des Pokémon plantes. Ou tu peux aussi les griller avec des Pokémon électriques. C'est vrai que j'aurais pu entraîner Pikachu, mais j'en avais pas envie. Pouf! Je suis prêt à me ce baston! Je me ferai agresser par un mec en slip à la piscine, j'aurai les boules. Alors, Hippotrempe qui est plutôt classe. Son évolution d'ailleurs, Hippocéan, est assez sympa. Je sais pas si sur cette version ils ont rajouté Hipporoi ou pas. Non, ça commence bien. Ah, super efficace, parfait. Écume, donc écume c'est l'attaque flotte la plus basse du jeu, la plus faible du jeu, elle ne fait pas grand chose. Bon, là évidemment, en plus comme je suis un type plante, ça fera encore moins. Un entame, un tout grand tes yeux, même si ça pique à cause du sable. Hein. Hop, c'est bon. Là où je vais avoir un peu de mal, c'est face à Poissirène, parce que Poissirène a l'attaque pique-pique, donc type vol. Et que ce soit. Mystère, enfin tambourine ou ferro-singe, ils y sont sensibles. Oh. Ultrason, je déteste cette attaque car j'ai jamais de bol avec. Une Tam qui a de la crotte dans les yeux. Donc là voilà, donc là c'est le combo de la mort. Donc en gros je suis aveugle et fou, ce qui veut dire que déjà faut que je réussisse mon attaque et dans l'optique où je la réussis. En plus que je fuis la folie. Enfin, c'est dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Voilà, donc par exemple, là, j'ai réussi à passer au travers, mais je rate mon attaque. Ok. Touché trois fois. Alors là, je vais rater, c'est obligé. Voilà. Et souvent, voilà, les dégâts qu'on s'inflige à nous-mêmes sont énormes comparés à... Ok, donc là, tu m'énerves, toi. Pokémon, vas-y ferro-singe, là, va venger ta dulcinée. Touché deux fois, vas-y. Donc là, tu lui mets un point dans la gueule. Là. Tiens, manchette. Ah, oh, presque. Alors, repli, ça va augmenter sa défense. À ne pas confondre avec Abri qui la protège d'une attaque, normalement. Hop, niveau 19.
Putain, mais 64 balles, une espèce de vieux radin, quoi. Je vais aller me soigner parce que la pauvre dame, elle a mangé cher. C'est le problème, malheureusement, de la confusion et deux jets de sable, qui est une attaque assez lame, quand même, quoi. À bientôt. Il nous reste donc un dresseur et la championne. La championne, j'ai vraiment peur de l'affronter. Mais bon, on va le faire quand même. Ouais, sur le podium et tout, t'sais. Oh non, surpris. Je suis assez bonne pour toi. Ondine attendra. Sortie de son contexte, cette phrase serait assez bizarre. Et ils ont... comment dirais-je? Ils ont censuré ça? À la base, ici, c'est une nageuse, en fait, quoi. Ils ont mis une pique-niqueuse. Donc c'est Poissirène, vous allez voir Poissirène. Je trouve que c'est un Pokémon très fort en flotte, il fait vachement mal. Alors au niveau, je sais pas, mais en tout cas, à chaque fois que je les croise, ils font super mal, quoi. Tourniquet, je sais pas ce que ça fait. La puissance du feu est affaiblie, donc je m'en fous. Voilà, coup de corne, aïe. Ah non, ça va. Ah non, vous voyez, hein. Attaque normale, et pourtant, j'ai mangé cher. Poissirène et Poissoroi, nickel, sont plutôt balèzes. Ah, ok, nickel. Eh ouais, je t'ai défoncé, cherche pas. Bon, allez, on va affronter Ondine, on verra bien. Logiquement, ça devrait bien se passer, enfin, j'espère, quoi. Tiens, un nouveau visage. Si tu veux être un vrai dresseur, il te faut une stratégie pour tes Pokémon. C'est quoi ta tactique pour capturer les Pokémon sauvages? Ma tactique? Attaquer avec des Pokémon hauts. C'est pas une tactique, ça. Enfin, on va pas relever. Ondine. Avec ses sandalettes et son petit maillot de bain. Starry. Starry qui est sympa, mais j'ai jamais accroché. Ça fait vraiment Pokémon fille, quoi. Enfin, deux filles, quoi. Sans vouloir faire le macho. Mais son évolution est plutôt classe, quoi. Même si ça me conforte dans mon idée que c'est un Pokémon pour les filles. Je le trouve plutôt stylé quand même, quoi. Hop. Alors, est-ce qu'il y a une attaque qui peut me faire mal? Vibre à quoi? Ça peut rendre fou cette connerie. Ouf, je suis passé au travers. Hop. Nickel, on gagne un level. C'est pas une mauvaise chose. Bon, un point de défense, c'est toujours bon à prendre. Staros, non, on ne change pas de Pokémon. Staros, j'aime vraiment bien, il est vraiment classe. On dirait un méga Starry, quoi. Bon, en fait, ils sont pas fait chier, ils ont collé deux étoiles l'une derrière l'autre, mais... je sais pas, je l'aime bien. On va tenter un Volvi. Météor, ça fait pas très... quand même. Ça fait plus mal que je pensais. Bon, j'ai pas fait perdre grand-chose. Ouais, ça va devenir compliqué, là. Donc, soit je lui mets un coup critique pour bien remonter, soit ça va devenir très compliqué. Merci. En fait, il fait que Météor parce qu'il n'y a que des attaques flottes. Alors, si je dis pas de conneries, avec Météor, on ne peut pas faire de coup critique. C'est des dommages fixes. Alors, quel dommage. Ouais, je vais faire la bitch. J'ai pas une super potion qui traîne. Nope. Ça m'embête, j'aurais bien voulu le latter juste avec Tam. Eh ouais, bah oui, bah quelle andouille, moi aussi. J'aurais dû attaquer. On va tenter une attaque quand même. Bon, comme je vais devoir changer de Pokémon, j'ai pas le choix. On va tenter l'empoisonnement. Je pourrais faire poudre dodo, le problème c'est que si j'ai pas de balle, elle va se réveiller tout de suite. Donc je préfère l'empoisonner. Oui, c'est passé. Nickel. Au moins, ça devrait le latter un petit peu à chaque tour. Bah, faire au singe, hein. On n'a pas le choix. Bon, le tort, il n'y a pas à dire que je déteste cette attaque. Putain! Faut pas déconner, quoi. Vous avez vu ça? Bah oui, bah, je suis censé faire quoi, moi, là? Tu meurs ou tu meurs? Je ne sais pas.
Bon, bah, potion, même si ça va me servir à que dalle. Autant soigner Tam, je dirais. Désolé, féro singe, mais là. Ok, donc là, t'es mort, hein, mais c'est pas grave. Je l'avais dit que je le sentais mal. J'ai toujours du mal avec ce Pokémon. Star aussi fait vachement mal, ce con. Bon, il souffre quand même du poison. C'est plutôt une bonne chose. Volvi. Donc, si j'ai un peu de chance. Oui. Nickel. Et tu crèves. Et tu crèves. Allez, crève. Nickel. Donc là, tu as gagné un level à coup sûr. Putain, même pas. Ouah, t'es super balèze. C'est très bien. Je te donne le badge cascade pour m'avoir battu. Et 2100 balles. Ça fait plaisir. Badge cascade oblige tous les Pokémon à niveau inférieur à 30 à t'obéir. Ça comprend aussi tous les Pokémon obtenus pendant un échange. En plus, tu peux maintenant utiliser la CS coupe même hors des combats. Tu peux couper les arbustes et ouvrir le nouveau chemin. Tu gagnes aussi ma CT favorite. C'est laquelle? Vibraquo ou Bulldo? Vibraquo, ils ont changé. Apprends-le un Pokémon haut. Oh. Bah oui, écoute. Donc le pauvre petit féro singe, il a pas servi à grand chose. Il aura fait tampon entre Staros et Misterbe. Mais bon, on s'en sera quand même bien sorti au final, donc c'est pas plus mal. Hop. À bientôt. On va vérifier. Tam, tam. On va laisser Tam parce que je pense qu'elle évolue au niveau 21, mais je suis pas sûr. Enfin bref, je vais vous laisser là-dessus parce que ça fait quand même déjà plus d'1 heure de record, donc ça va être un épisode un peu long pour vous. Mais bon, je voulais quand même au moins faire un badge aujourd'hui. Et pas que des petits combats. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien. On se retrouvera donc soit pour Pokémon ou pour mon nouveau let's play, mais on verra bien ce que je décide de faire. Voilà. Donc sur ce, je vous dis eh bien à la prochaine pour la suite de ce let's play. Bye.